musique féminine dans son ensemble qui progresse chaque année. Et là, c'est Pauline Astier qui vient d'être en après les Jeux Olympiques. Bien de me le rappeler, de vous le rappeler, Vincent, jolie cette joueuse qui a marqué ces dernières années. Destiné Slocum, qui a parlé son coup de poignet. Allez, Spano à 3 points. Et c'est dedans pour Artemis Spano. Deuxième chance pour Basketland avec Louise Bussière. Jeune joueuse pleine de promesses, Vincent, qui s'est inscrite, on a l'impression, en Basketland de façon tout à fait à la fois discrète mais prégnante aussi. Ah, oh, pardon, j'ai eu un panier entre temps. Allez. Et c'est encore elle qui est derrière le main-à-main, vient récupérer le ballon. Il tirait un peu le rebond pour Louise Bussière à la contre-attaque, parfaitement menée. Le ballon qui vole là, entre les mains de Louise Bussière. Louise Bussière qui est décalée, elle trouve Louisa Gettel-Soder qui travaille sur les appuis. Ouais. Super joli le petit tir. Louise Bussière à 3 points. Ouais, Pauline Astier, ouais, elle joue très bien autour du pick and roll. Soit pour s'arrêter, prendre des tirs à 4-5 mètres, soit pour échapper par les tangos. La contre-attaque, et là c'est 2 points pour Karen Jaldi-Tavdi. Pauline Astier qui est laissée un peu seule là. Avec Louise Bussière. Allez, il faut arriver à prendre un tir correct. Allez, et c'est Louise Bussière qui va s'en charger à 3 points. Et c'est dedans pour Louise Bussière. On le sentait presque venir quand j'ai vu que c'était elle qui allait être la dernière dessinatrice. Ça y est. Myriam Djikoudad qui est servi. On est revenu. Ouais, Louisa Gezé-Soder qui est toute seule sous le cercle. Slocum, le renversement à nouveau. Le passé va pour Louisa Gezé-Soder qui va marquer 2 points. Et temps mort. De mer à mer, Myriam Djikoudad qui attaque la ligne de fond, le layback. Wow. Gros move là de Sam Furing qui attaque les nombreux centimètres d'Anna Maria Philippe. Ouais, une aide un peu suicidaire là de Johanna Ewodo qui lâche sa fille côté balle. Konko à 3 points, c'est dedans. Pas beaucoup d'avance là, mais ça suffisait pour elle. Pour Louise Bussière qui retrouve Destiny Slocum. L'interception ratée là de Inas Pitar. Bien exploité par Slocum. Louisa Gezé-Soder dans le post-up. Les feintes habituelles là de Louisa. Le petit tir en reculant. À 2 secondes à la fin de cette possession. Et avec un petit peu de réussite, Vincent, sans doute. De son côté, a tout intérêt à raccrocher assez vite. Et Basketland a toujours cette occasion là d'accentuer son avance. C'est ce que va faire Destiny Slocum avec ce double pas en plein cœur de la raquette. Et là, il a la camp qui signe son retour sur le terrain. Un gros panier là de Leila Lacan. Louisa qui finit un peu en beauté. D'improvisation là. Ouais, mais... Finale et terminale avec cette victoire dans le Basketland 68 à 55 face à Bourges.